Salut, bienvenue, heureux de vous retrouver pour notre sixième étape. Aujourd'hui, un nouveau sous-chapitre. Bah oui, vous savez qu'on est dans un chapitre qui s'intitule, je crois, Le Prince en haillons. C'est un jeune garçon que nous avons rencontré et qui nous fait lire de différentes histoires. Alors c'est ce jeune garçon qu'on a vu dès le départ, hein, il me semble. Regardez d'ailleurs, on le voit le titre lorsqu'on regarde dans la page de chargement, Prince en haillons. Hein, je vois ça comme ça, moi. Voilà, j'avais arrêté ici. Avant de charger notre partie, je voulais revenir sur vos commentaires et celui en premier de Grégoire qui nous explique ce qu'est l'oiseau du bonheur. Alors je lis son commentaire. Le chemin de plume rouge a une signification spirituelle, nous dit Grégoire. Elle symbolise en partie le bonheur, la prospérité, la fertilité et l'amour. C'est pour ça donc que ce chemin de plume rouge fait référence au chapitre, en quelque sorte, chapitre intitulé « L'oiseau du bonheur ». Et c'est Mélanie qui se demandait, mais cet oiseau, pourquoi faire tant de mal à cet oiseau? Pourquoi les filles l'ont-elles tué? Puisqu'on a bien vu que Jennifer a trouvé cet oiseau écrabouillé. D'ailleurs, la trace dans les toilettes de sang, hein, c'est l'oiseau qui a été massacré. Ben, on comprend bien sûr que les filles l'ont tué. Alors, pour quelle raison? Histoire que Jennifer soit punie pour avoir tué l'oiseau. Même si ça n'est pas elle, mais comme c'est elle qui l'a trouvé, évidemment, il a été décidé que Jennifer serait punie. Voilà, ça marche comme ça dans cette saleté de clan, de gamins, de morveux. Ah, je ne les aime pas. Mais on va tout de suite débuter un nouveau chapitre où vous allez voir qu'on continue à se jouer de nous. Mais oui. Ah là là, elles ne sont vraiment pas gentilles, ces gamines. Et les garçons, encore moins. Eh bien écoutez, nous allons la lire son histoire, hein. On n'a pas trop le choix de toute manière. Je voulais juste voir un petit détail avant de débuter notre chapitre et de nous débarrasser de tout ça. Est-ce que notre livre s'est agrémenté de pages supplémentaires? Non, toujours pas. Voilà, vous voyez, bon, on n'a pas d'autres éléments pour l'heure. Allez, il est temps de lire cette histoire-là. Ah, je vais devoir abandonner, ça tombe bien, on a l'inventaire, oui, vraiment trop plein. Je crois que le poignard que nous avons, il est plus du tout utile pour l'instant. Donc je le laisse tomber. Je vais aussi, jeter les éléments qui m'ont permis d'avancer la dernière fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je n'en vois pas. La plume, si, quand même. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et écoutez, on va pouvoir lire le livre, enfin. Sœur chèvre. Les sœurs chèvres. Petite sœur a écrit une lettre. Bah, comme ils l'ont mis. Grande sœur l'a dévorée. Petite sœur a fait ses devoirs. Grande sœur les a déchirés. Petite sœur voulait lire la lettre à grande sœur. Elle est allée la chercher dans ses entrailles. Mais maintenant que grande sœur baigne dans son sang, à qui petite sœur va-t-elle lire la lettre? Et, vous le constatez, il nous manque la morale de l'histoire.
On n'ira pas plus loin dans celle-ci. Il va falloir la récupérer. Ce sera l'objectif ultime. Avant ça, bien des éléments. Alors, je ne sauvegarde pas, non. Ah, vraiment, j'adore ces introductions de chapitres. Quand la fille malchanceuse ferma le livre, la princesse sage était là. Et dit doucement. Eh bien, nous voici partis à la collecte d'objets aujourd'hui encore. On va en trouver beaucoup. Si vous avez besoin d'objets dans ce jeu à un moment donné, je vais vous montrer comment faire. Et quoi qu'il en soit, nous allons continuer notre histoire, évidemment. Ici, nous trouvons le crayon de Meg. Le nom Meg est écrit sur l'extrémité du crayon. Et justement, il va nous être très utile, vous vous en doutez. Ici, on trouve aussi une sucette. Hey ! Voilà qui est sympathique de la part du jeu. Alors pour l'heure, je ne vais pas me servir de ces différents objets de soins, donc je vais les jeter. On va l'abandonner en tout cas. Je n'aurai pas besoin des sablés tout de suite. Oui, ça j'en aurai besoin, je le sais. Bonbon aussi, me semble-t-il. Le crayon, évidemment. Alors ça, je n'en aurai pas besoin pour l'heure. Et faisons de même avec la tarte. Oui, la tarte, je n'en ai pas besoin. Bah, les sœurs chèvres, on a lu l'histoire. Je peux l'abandonner à ça aussi, hein, il n'y a pas de souci. En revanche, mes enfants, nous allons avoir besoin du reste. En plus de ça, on va lire un petit peu ce qu'il y a là, regardez. Comment faire de l'eau dégoûtante? C'est Meg qui écrit tout ça. Vous voyez, il y a des plans, elle élabore des choses. Ici aussi, j'avais noté ce schéma de machine qu'est-elle en train d'effectuer. Encore un mauvais tour, j'en suis sûr. Et là, un étrange sac se trouve ici. Quelque chose se débat à l'intérieur. Serait-ce une chèvre? C'est l'objectif du chapitre, vous l'avez compris. Alors, je vais avoir besoin aussi de récupérer deux objets. Donc, regardez ce que je vais prendre. Aujourd'hui, je vais pouvoir me débrouiller pour récupérer un nouvel enregistrement. Vous savez, les disques que l'on trouve dans le jeu, qui sont des bonus. Donc, je vais aller chercher le disque que j'avais déjà trouvé. Alors oui, en effet, tu avais raison, je cherche ton nom, c'est Tama. Tu avais raison, c'est vrai que si je vais dans les filtres, je vais un petit peu plus vite pour trouver les objets. Et je vais avoir besoin du film numéro 5, le dernier que j'ai trouvé. Voilà. Je le mets en place ici. De la même manière, le disque bélier, j'espère que je ne l'ai pas passé, le voilà, me sera très utile. À un moment donné, bien sûr. Voilà, j'espère que j'aurai pas besoin de les jeter. Maintenant que nous avons fait tous ces éléments, je vais pouvoir monter, oui, on va demander à Brown d'aller voir un peu plus haut. Mais on va quand même lui demander de nous donner le chemin, allez, si, quand même. Avec le crayon de Meg. Mais le fait est, vous disais-je, que je souhaite vous faire découvrir le jeu et surtout des zones que vous ne connaissez pas. Vous avez vu ? Une sucette, je la ramasse. Alors le jeu est quand même un petit peu généreux en matière d'objets de soins, hein. Il vous en donne régulièrement. Mais certainement pas suffisamment pour compter le mener à bien et vous aurez besoin de chercher. Alors je ne suis pas Brown pour tout de suite, je lui dis de venir avec moi pour l'heure. Et je vais vous montrer une zone que vous ne visiterez que si vous en faites l'effort, me semble-t-il, car je n'ai pas le souvenir qu'on ait besoin d'y aller réellement dans le jeu. Et cela va me permettre de trouver un seul petit objet, mais je vous emmène voir toute une zone, en effet. Vous voyez, tout a été
entouré de cordes. Si vous allez ici, vers cet escalier, vous arriverez dans un endroit sans issue. Je voulais pas y aller, mais Jennifer est descendue. On peut pas aller plus loin, là, voilà. Cet accès est bloqué. Et là, tout là-haut, de quoi s'agit-il ? Là, ça redescend. Il y a deux passages à chaque fois. Regardez. On est vraiment à l'extrémité. Si je vous montre le plan, vous allez comprendre. À l'extrémité du dirigeable. Vous voyez, tout au bout là-bas, dans la partie qui est ici. C'est la porte d'embarquement, comme on l'a nommée. Alors, je m'étais dit, peut-être qu'on peut quitter le jeu. Non, vous voyez. Et là, je me suis dit, tiens, mais je vais quand même chercher avec des objets. Alors, j'ai des pinces. Et les pinces, si je les ai, voilà, peuvent nous être utiles ici. Go ! Ah, je sais pas où est Brown. Le voilà. Go ! Il était très loin de nous, apparemment. Voilà, on trouve simplement une bille, hein. C'est pas vraiment très utile, mais c'était pour vous montrer les décors. J'essaye d'être exhaustif le plus possible, hein. Vous me pardonnerez s'il m'arrive d'oublier des choses, ça pourrait se faire. Voilà, maintenant que nous avons cette bille, j'avais rien noté d'autre. Oui, on va reprendre le crayon de Meg et suivre Brown pour avancer dans le scénario. On voit qu'on peut trouver trois objets à l'aide de ce crayon. Ah oui, on peut pas descendre. Vous voyez, il y a des cordages qui nous barrent le chemin. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent qu'un seul passage ici. Go. Alors moi, je me souviens du passage à emprunter, donc je prends de l'avance. Histoire de revenir exactement là où je n'ai pas choisi le bon embranchement, hein, où je n'ai pas voulu suivre Brown. Labo de Meg, vous voyez, c'est ainsi que se nomme le lieu où nous avons débuté il y a un instant. On le voit là en bas, d'ailleurs, ce labo. Donc maintenant que vous avez compris ce que je vous avais expliqué la dernière fois, à savoir que le lieu du dirigeable est onirique, vous savez que nous sommes quelque part dans l'orphelinat et que Meg avait sûrement un labo où elle élaborait de cruels stratagèmes. Alors, regardons ce que nous avons trouvé. Serment du crayon rouge. Je jure fidélité au prince et à la princesse. Je promets d'aimer mon prochain. Alors, sachez-le, petit élément intéressant, cette page vous servira à trouver à peu près les mêmes choses. Donc on va continuer à utiliser le crayon qui, lui, va nous conduire vers d'autres endroits. Au passage, les escaliers que vous avez sur les côtés ici ne font que mener vers les deux autres moteurs de ce dirigeable. On en avait déjà vu un, je ne vous le remontre pas celui-là, parce que c'est le même genre de moteur. On voit ce vers quoi Brown veut nous emmener, on le voyait dans la cinématique. Liste chien. Mm-hmm. Le chien enragé. Voici des notes sur le monstre du chien enragé, comme décrit par la balle princesse de la rose. La balle, je sais pas ce que ça veut dire. Il est gros, fort, effrayé, loyal, propre. Et il kidnappe les enfants qui ne font pas leur corvée. Mission en cours. Enquête sur le chien enragé. Toilette 1F. Alors, je me dis qu'il faudra garder ça à l'esprit. Hein. Prendre des notes à partir des rumeurs gribouillées sur les murs attribuées à Suzanne. Sont-ce des indices ? On dirait bien. Alors ici, j'avais noté de chercher quelques petits éléments avant de continuer. On a des bonbons et je vais chercher quelque chose avec les bonbons. Où est-ce que tu nous emmènes, Brown ? Tu vas nous ramener en arrière, donc quand même pas. Ah, voilà.
Une bille, hein. Ouais, ça doit être une bille. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est tout ce que j'avais cherché ici. Oui, oui, c'est ça. On va continuer avec le crayon. Go. Alors, vous avez vu qu'il y a un gamin qui est en train de s'entraîner au combat. On va peut-être aller l'interroger aussi par la même occasion, hein, parce que Brown, lui, va continuer. Le prince négligé interrompit son entraînement et dit « Que cherche Mademoiselle Meg? Un cadeau ?»« Certainement pas, Mademoiselle Diana a déjà trouvé la chèvre. » Et il faut que je perfectionne ma vitesse. Il faut me laisser tranquille. Insistons un peu, peut-être. C'est vrai que le cadeau du mois concernait une chèvre spéciale. Peu importe. On n'en dira pas plus, apparemment. Hein. J'avais noté un truc ici. Oui, si je ne prends rien dans mon inventaire, on va se faire plaisir là aussi. Je ne prends rien dans mon inventaire, donc je vais aller sur le crayon et arrêter de le chercher. Et j'appelle Brown pour qu'il trouve. Et regardez ce qu'il va trouver. Ça par contre, hein, ça m'avait bien plu. Ah, mais il ne le trouve pas ici. Si, il fallait insister un peu. Oui, des fois, hein. Alors est-ce que vous voyez ce dont il s'agit? Il faut essayer de se débarrasser du gamin pour ramasser, ça va pas être évident. Ouf, voilà. Sinon il vous parle alors... C'est de la viande. Voilà, si vous en avez besoin, ça peut vous être utile aussi. Hein. La viande, eh bien, vous devinez à quoi elle sert. Viande séchée, tirée des meilleurs filets. Parfaite pour les chiens difficiles. Mais oui, c'est pour Brown, vous l'avez compris. Je l'abandonne pour l'heure. Et je vais continuer mes recherches. Alors, je crois qu'avec le crayon, ça devrait aller maintenant. Oui. Et on va vraiment suivre Brown, histoire d'avancer dans le scénario, hein, tout de même. Et c'est après cette zone-là que nous allons trouver tout un tas d'objets. Est-ce que je vous ai montré ça, au fait? Oui, voilà, vous avez un ascenseur ici, mais pas moyen de passer, parce que Jennifer ne sait pas enjamber les chaises, ne sait pas les déplacer. Elle est cruche par moment, mais alors cruche, sans parler des combats. Là aussi, je suis bien d'accord avec vous, hein, sur les combats, quelle catastrophe. Oui, et je vois le commentaire à ce sujet de Tama, hein, oui, une véritable médiocrité dans les combats. Alors, on va voir que Brown nous conduit ici. Mais je ne vais pas tout de suite à l'air ici. Non. Je pourrais y aller, mais j'ai décidé de vous montrer comment trouver beaucoup d'objets si vous en avez besoin. Donc on va commencer par un ruban. Voilà. Ce serait bien qu'il aille pas là. Bon, ben j'irai après. Il faut peut-être que j'aille... Ah oui, non, c'est pas le ruban, là. Le ruban, c'est là-bas. Je le ramène, un instant. Pardonnez-moi. J'avais oublié le ruban. C'est bien moi ça. Bah oui, j'avais pas bien séparé mon petit chapitre là et le ruban, on va le trouver ici, l'objet que le ruban nous permet de découvrir. Voilà. Une chaussette. On n'en a pas beaucoup des chaussettes, donc ça nous arrange. Voilà, je reviens là où j'étais. Et je vais aller... dans un lieu que vous ne connaissez pas encore, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une partie du dirigeable jamais visitée. Je vais aller à l'office. Alors sur le plan office, vous le verrez, c'est pantry en anglais. Hein. C'est au centre du plan, regardez, pantry. Voilà, ben on est juste à côté, donc je vais y entrer. Il y a deux entrées pour aller dans l'office. J'y vais pour une bonne raison, bien évidemment. Alors, je me suis noté ça en tout petit, donc il va falloir que je fasse gaffe à pas oublier quelque chose. Regardez, je fais tourner la caméra, voilà, deux parties parce qu'elles sont séparées par ces cordes. Ce qui fait que parfois Brown voudra aller de l'autre côté en fonction de ce que vous demandez et vous ne pourrez pas passer. Alors j'avais noté d'abord, oui, bah oui, c'est là. C'est là! Avec le disque bélier, nous allons enfin trouver le disque suivant. Voilà, l'enregistrement. Go!
Le voilà, juste sous nos pieds. Hein. Alors certains s'étaient étonnés que les objets apparaissent comme ça. C'est Brown qui, quelque part, met l'accent sur eux. Hein. Alors bon, ils n'ont pas fait une animation où le chien découvre l'objet et le sort de sa cachette. Et c'était quand même bien vu. On ne va pas trouver d'autres enregistrements, donc je vais pouvoir abandonner les disques aujourd'hui, les deux disques, hein, puisque nous en avons déjà deux. Je crois qu'il y en a cinq au total, je ne sais plus combien il y en a. Ou peut-être six, enfin, je ne sais plus. Il faudra que je regarde. Et ici, eh ben, j'avais noté qu'on pouvait chercher avec des billes. Go ! Et nous trouvons une bille. J'avais noté aussi, et là c'est un beau cadeau que je vous fais, de chercher avec le ruban. Vous avez vu ce que le ruban permet de trouver ? Go ! Ah oui ! Du chocolat. Et je crois qu'en plus là, c'est encore le chocolat blanc. On va vérifier. Non, c'est pas du blanc. Mais on a déjà le blanc de toute façon. Je l'abandonne pour l'heure. Et mes amis, je vais chercher à sortir. On va sortir d'ici. Et maintenant, c'est une chaussette qui va nous conduire vers un objet intéressant. Alors, quand je dis intéressant, hein, c'est pour le troc, évidemment. Go ! Et nous suivons Brown. Une pince. Avec la pince, nous allons trouver d'autres choses. Et je peux vous dire qu'ici, vous allez halluciner du nombre de choses qu'on va trouver. Elles sont toutes cachées ici. Des billes. On recommence avec la pince. Et encore une bille. Et là, je tourne ma page. Regardez toutes ces notes. Oh là là, je sais pas si vous les voyez bien. Hein, j'écris très mal. J'aurais dû être médecin. Je n'en ai pas eu le courage. Voilà. On continue avec la pince, mais toujours, toujours, insistez, la pince vous permet de trouver tout un tas d'objets. Et beaucoup de billes en plus. Mais les billes, on en a besoin de 12 à chaque fois si on veut faire une offrande. Je vous l'avais expliqué la dernière fois. Et là, regardez où nous conduit Brown. Pour trouver un objet très sympa, là aussi. C'est la cave à vin. Et il a trouvé un bonbon. Et moi, je trouve aussi une tarte qui était juste à côté. On continue avec la pince. Oui, c'est ça. Parce qu'elle va vouloir le ramasser, là. Elle n'est pas tout à fait dessus. Oh là là. Et puis, alors, elle est gourde, des fois. Mais alors... Oui, sans parler du temps qu'elle met à se relever dans les combats. Hein, c'est ce que me disait Tama. Je continue, hein, oui. Il y a tout un tas d'objets avec la pince ici. C'est incroyable. Et des bonbons, hein, ça se refuse pas. Parce que c'est un objet de soin. Billes. Je sais pas combien je vais en avoir, on va regarder ça plus tard. Alors c'est moi qui change la caméra de position avec les touches L2 et R2. Hein. Quand je vois qu'elle est mal positionnée. Et là, une pince. J'avais noté ça. Ouais, j'avais noté ça. On recommence avec la pince. Et là, nous allons aller ailleurs. Suivons Brown. Donc là, vraiment, on fait le plein d'objets. Hein. Je vous l'ai dit, c'est utile, les objets, pour récupérer de la santé. Et aujourd'hui, je me dis que ce serait pas une mauvaise idée d'en avoir d'avance. Regardez, nous sommes dans la deuxième partie de l'office, hein, celle qui était inaccessible du fait des cordes. Et là, on peut trouver un bonbon. Qu'est-ce que j'ai noté dans l'autre partie de l'office ? Go. Toujours la pince, oui. Il y a d'autres choses. On voit rien. Voilà. Ah, encore une pince. Et ensuite, eh ben, écoutez... Go. Je sais pas où il va nous emmener, là. Ah, il veut aller là.
Ben, on ira plus tard, je veux pas y aller tout de suite. Je vais retourner à la cave à vin, parce que je crois que j'ai oublié quelque chose. C'est là la cave à vin. Oui, c'est là. Dans la cave à vin, qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, j'avais oublié de chercher avec une bille. Parce que là aussi, hein, les billes sont utiles, évidemment. Une chaussette. Bien, on a fait le tour. Je vais m'équiper d'un crayon pour repartir à la recherche de la suite de notre affaire. Hein. Trouvons le dernier objet que ce crayon permet de découvrir. Alors, on sait que Brown était allé de l'autre côté, je m'y rends. Car il faut quand même faire avancer le scénario, ce serait pas mal. Ben, il est parti là-bas. Oui, je prépare mes pages pour la suite. Hein. Alors regardez, là, il y a comme de la glace ici devant nous. De quoi peut-il bien s'agir? Ah, j'ai un peu fait des bêtises. Ah, maudit Beat Defender. Pourquoi vient-il pourrir ma partie? Excusez-moi pour ce petit contretemps, ça arrive. Et nous revoilà partis dans le jeu. Hein. Donc, Brown semble avoir trouvé quelque chose. On va aller voir. La porte, elle est là. Alors avant de ramasser ça, regardez, ici, je trouve un pic à glace. C'est une arme. Bon, une arme que je ne vais pas forcément garder ici. Je trouve assez pratique le tuyau, à vrai dire. Oh, je vais essayer, allez. Je vais essayer avec ça aujourd'hui. Bon, je m'en équipe. Ça peut changer un peu la donne. On va voir, on va voir. Je n'ai plus besoin du crayon. On a trouvé tout ce qu'il fallait. Vous le voyez dans les cibles. Donc je vais le jeter. Voilà, je crois qu'il en est de même pour ça. Quoique, bon, je ne sais pas. Allez. Oh Diana, Diana, je t'aime de tout mon cœur. Meg. Et voilà, 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 voilà. Voilà que le morveux nous joue encore un sale tour. Alors, est-ce que c'est plus efficace? On peut toujours pas l'écraser. Des fois, on arrive à les écraser, hein, les ennemis. Ça a l'air pas mal efficace quand même, hein, le pic à glace. Je connais certaines actrices, je crois que c'était Sharon Stone, qui trouve ça très pratique. Alors ici, ah mes enfants, un autre objet clé que je vais devoir ramasser. On va jeter le tuyau, ouais, allez. Quoique, non. Non, 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 je vais m'équiper du tuyau maintenant. Oui, 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 non, je ne sais pas. On verra tout à l'heure, je rechargerai les objets si j'en ai besoin. Oh, remarquez, je vais le garder, non, voilà. Je suis en train de me décider. Je vais abandonner ça. Et ça, puisque ça permet de trouver la même chose que la dernière feuille que j'ai. Voilà. Ah, et regardez ce que nous allons chercher. Ben oui. Nous voici en présence du film 1. Donc je peux à présent jeter le film que j'étais en train de chercher, voilà. Enfin, celui qui me servait à trouver en tout cas. Voilà, je peux le jeter et demander à Brown de nous trouver l'autre film, le suivant.
et nous allons voir où cela nous mène. Alors vous vous demandiez peut-être où conduisaient ces portes, il y en a deux, hein, aux deux extrémités de ce lieu, qui mènent toutes au deuxième couloir passager, hein. Il n'y a aucun souci, c'est simplement un couloir ici. Timonerie, bah oui, c'est de là qu'on pilote ce dirigeable. On va découvrir un petit peu ce lieu. C'est un lieu facultatif en plus, donc c'est bien de venir s'y balader. Je vous montre juste ici que nous avons une carte de navigation aérienne qu'on ne va pas ramasser, mais on voit qu'une route est prévue de l'Angleterre à l'Inde. Est-ce là qu'on veut nous mener ? La position actuelle se trouve aux environs de la France. Tiens donc, on passe au-dessus de notre cher pays. Juste un petit coup d'œil ici aussi, lieu facultatif encore, mais j'aime bien, vous le savez, que vous découvriez tout le travail de réalisation. Et c'est la radio. Ça ne nous en dira pas plus. Alors voyons où Brown voulait nous emmener. Go! Parfois, et quand il pleure, ça veut dire que vous devez rappuyer. Ça peut arriver. Et là, horreur. Non seulement il trouve le film, mais en plus, nous allons devoir nous battre. Et surtout parce que bah, y a ici quelque chose de très intéressant. Alors, je ne le vois pas. Il est là-bas. Vous le voyez sur le gamin, là-bas ? Ah, on l'a eu. Le couteau compte. On avait vicomte, on avait baron, hein. Vicomte et maintenant compte. Alors, pas la peine d'insister. J'appelle Brown. Pas la peine de rester ici à combattre, ça ne sert à rien. Je veux juste voir si j'ai pas oublié autre chose. Ah ! Oui, c'est pas là. On va laisser ces lutins monstrueux en paix. Alors certains m'ont dit, c'est pas tout à fait un jeu d'horreur. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des moments où ça n'est pas vraiment de l'horreur, hein. C'est plus des moments de tension, des moments de malaise. Mais ça reste de l'horreur pour moi, hein. L'ambiance, les ennemis, c'est quand même franchement des choses qu'on n'aurait pas envie de croiser tous les jours. Alors évidemment, certains sont aguerris comme moi, hein, et finissent par ne plus être effrayés. Mais croyez-moi, vous pourrez avoir peur par moments. Hein. Alors ici, les cuisines. La cuisine, c'est intéressant de s'y rendre. Bon, il y a des ennemis à combattre. On va débarrasser les lieux de cette vermine. Ah, ben c'est lui qui se débarrasse de moi, là. Il m'a fait vibrer la manette, donc il m'a blessé. Oh. Alors le dernier, j'essaie de m'éloigner de lui pour pas qu'il me blesse. Facultatif là aussi, hein. C'est juste que je veux profiter, aïe, de ma présence dans les lieux. Est-ce qu'il est mort ? Oui, il est mort. Je veux profiter de ma présence dans les lieux pour faire des petites recherches supplémentaires. Alors ici, je m'étais noté, bah, d'abord de ne plus chercher le film, hein. On a trouvé les films. On va abandonner celui-ci. Et je m'étais noté de chercher avec la chaussette. Go. Alors vous imaginez que je teste chaque objet, hein, pour avancer, ce qui fait que j'ai pas mal d'éléments à chercher. Une fois que j'ai la chaussette, oh ben on continue, je crois, avec la chaussette, oui. Go ! Oui, c'est ça. Et on trouve une pince, voilà. Et de la pince, qui est ici, en bas, j'ai trouvé un bonbon. Go ! Moi, il veut aller là.
Ma foi, on va y aller, on va y aller, mon petit Brown. Je vais d'abord aller chercher... Tenez... On ira après. Je regarde... j'étais censé trouver autre chose ici. Bah, on va bien voir. Allez, j'avance. Ah, il y avait des choses ici aussi. Ah, bah voilà, j'avais pas cherché, là. C'est vrai. Après tout, Brown, tu as raison. J'espère que tu ne m'emmènes pas ici pour rien. Non, ça va. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, mon brave chien. Go ! Oh, il y en a plein de choses ici aussi. Je ne savais pas. C'est pas fini ? Go ! Non. Ah, oh, c'est fou. Toutes ces billes. Oh, il y en a un pacasse. Go ! Est-ce qu'il veut sortir maintenant ? Peut-être oui. Billes. Je vais juste vérifier qu'il ne me trouve pas autre chose. Alors des billes, on en a à ne plus savoir qu'en faire. Est-ce qu'il me trouve quelque chose avec les billes ? Ouais, bah il veut sortir. Allez, on va voir. Et après, on va continuer notre énigme, notre scénario. Bah, je crois qu'il va nous amener là où je ne veux pas aller pour l'heure. Bon, bah c'est ça. Autant pour moi, j'avance de l'autre côté. Et on pourrait se demander où il faut se rendre à présent. Eh bien écoutez, qu'avons-nous trouvé ? Nous avons trouvé ça. On va demander à Brown de chercher avec. Go. Et il devrait revenir vers nous. Voyons voir. Oui, le voilà. Donc je vais voir où il veut m'emmener. Parce que j'ai besoin que le scénario avance, hein. Je ne voudrais pas vous lasser avec mes recherches au bout d'un moment quand même. Vous avez vu toutes les billes qu'on a, ça c'est plutôt sympa, je vous le dis, parce que bah, franchement, hein, les objets de soins rapportent tellement peu d'énergie que je vais en avoir un bon paquet, ce qui n'était pas du tout mon cas lorsque j'ai découvert le jeu. La toute première fois que j'y ai joué, j'ai souffert. Vous avez vu, elle met 5 minutes à se relever à chaque fois qu'elle combat et qu'on la touche. Et le temps qu'elle se relève, à peine s'est-elle relevée, en tout cas que l'ennemi la frappe à nouveau, c'est à devenir chèvre. Je vous l'avais dit qu'on deviendrait chèvre. Hein. Vous voyez pourquoi je vous avais dit ça ? La princesse résolue et la princesse sage parlaient entre elles. La fille malchanceuse écouta. Didio, oh, Abé, osé, Afganigma, Ogakuo, Kfu, circonflexe crochet. Obé, Didu. Alors comme vous l'avez vu, nous avons eu un petit pépin à cet endroit-là au niveau de la traduction. Normalement ça devrait marcher puisque j'ai joué sur ma PS2, ça marchait, mais parfois il arrive que ça déconne. J'ai donc réenregistré la séquence afin que vous puissiez en profiter dans des conditions optimales. J'ai profité du réenregistrement de cette séquence pour tenter de frapper ces pimbèches qui me veulent du mal. Bien, il ne nous reste plus qu'à reprendre le cours de notre histoire et donc l'enregistrement initial de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il voit Brown là ? On n'arrive pas à diriger la caméra ici, que c'est mal fait. Alors que la fille malchanceuse contemplait la chèvre noire, elle laissa échapper un cri de désespoir. Voilà, bah, comme ils disent.
Alors j'arrive pas à voir l'objet que Brown a trouvé. Ce que je vais faire, je vais aller là, voilà, voilà. Il est là. Ah oui, je vous laisse quand même lire le titre, ce serait bien. Le petit livre de Margaret. C'est la brève, enfin c'est le nom complet de Meg, hein. C'est, Meg ça n'est qu'un diminutif. Chapitre. Le prince et la princesse, manière d'aristocrate, coin des inventions de Meg, découverte chez les lutins. Alors nous avons déjà lu Le prince et la princesse, me semble-t-il. Non, c'est ça. Manière d'aristocrate, leçon 1, la révérence. Vous avez vu comment il faut faire, on a l'image là. Hein. Faites pareil chez vous. J'essaierai moi aussi, mais je n'ai pas de robe, il va falloir que je m'achète un kilt. Manière d'aristocrate, leçon 2, l'hospitalité. Parole de la princesse de la Rose Rouge. Jennifer, tes efforts mensuels méritent une récognition, alors une reconnaissance spéciale. Hein. La traduction est ratée. Tu as réussi à trouver Peter et tu seras récompensé. Coin des inventions de Meg. Chaise de torture, chaise tournante. Cet enfant a des idées voluptueuses. Sale gosse. Sac de torture. Chanson pour un oignon, sac d'oignon. Secret de la terre des... On ne saura pas. Ça s'arrête là. Salle de jeu, suite au développement des aéroplanes, l'orphelinat en construisit plusieurs. On voit que c'est dans l'imagination des enfants donc est né cet aéroplane, je devrais dire cet aéronef, c'est pas forcément bien traduit, ce dirigeable, hein, ils l'ont sans doute vu, puisqu'il y a eu l'actualité, on l'a vu avec le crash d'un dirigeable, semble-t-il, hein, lorsqu'on commence le jeu, ça nous est narré. Et les enfants se sont... pris à imaginer que ce dirigeable existait. Non, c'est pas tout à fait ça, voilà. C'est le dirigeable que l'on découvre dans le journal. Vous savez, on nous dit que bah, les enfants de l'orphelinat ont assisté à l'inauguration d'un dirigeable. Voilà, c'est ça. Et ce dirigeable-là les a inspirés dans leur imagination et ils ont décidé de faire que l'orphelinat serait leur terrain de jeu en tant que dirigeable. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si vous parlez aux deux morveuses... Juste attends, Jennifer, j'ai du travail pour toi. Ah, c'est enfin bien traduit. Soyez patient, hein. Voilà. Une partie de cette lettre a été déchirée et perdue. Il faut que tu la trouves. Elle ne peut pas la chercher elle-même, Diana. Oh, Diana, Diana, où es-tu ? Cela ressemble à une lettre pour Diana, mais elle est déchirée et impossible à lire. Ah. Alors, on va abandonner quoi ? Bah, le poignard, puisque je n'en aurai plus besoin. Ah oui, quand même. Est-ce qu'elle m'a bien donné la lettre, du coup, hein ? J'ai pas regardé. Ça doit être celle-là. Et je vais pouvoir jeter le carnet de Meg, puisque vous voyez, c'est les objets qu'il permet de trouver. Bon, on les a déjà. Et c'est pareil pour ça. Voilà. Donc on va aller chercher ce que ces sales gosses veulent que nous trouvions. Alors vous voyez où veut me... mener Brown, je vais y arriver. Il veut aller ici, c'est-à-dire revenir vers là. Avant de le suivre, je vais aller vers là. Pour aller, non pas chercher des objets, mais pour utiliser ma corbeille. Ma poubelle, devrais-je dire. La poubelle, parce que nous n'en aurons pas d'autres... au fil des niveaux que nous allons traverser. Brown, lui, veut vraiment aller vers là-bas. Vous avez bien compris que la suite, c'était là-bas. Mais je n'irai pas tout de suite. Alors la poubelle, elle est là. Eh bien, je vais regarder dans le ventre, bien sûr. Je vais stocker un objet. Ou en tout cas, aller en chercher. Alors, bah écoutez, je me dis que ce qui va m'être utile maintenant... Eh bien, c'est peut-être... Je regarde si j'ai besoin de certains d'entre eux. Non, c'est bon. Je vais me débarrasser des rubans. J'en ai plus besoin. Chaussettes non plus. Je ne pense pas en avoir assez. Non, j'ai vérifié. Hein. Je n'en ai pas assez. Il en faut 6, donc on va
les ranger. Je vais prendre de quoi me soigner, donc on va utiliser le menu ici. Nourriture, voilà. On va prendre un chocolat. On va prendre les sucettes. Le pain au lait, c'est pas terrible. Je vais prendre les biscuits. Les sablés, parce que les sablés, ça recharge pas mal. Et les tartes aussi, remarquez. Hein. Ouais, les tartes aussi, ça recharge pas mal. Nos pinces, on peut les garder. On est encore en emplacement, ce qui est plutôt pratique. Et j'ai deux armes que je vais pouvoir tester tour à tour. Petite sauvegarde. Oui, 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 je préfère faire une sauvegarde. Alors vous avez vu, on n'a pas besoin trop souvent de demander des indices. Hein. On arrive à avancer par soi-même. Ah, ici, voilà. Histoire de ne pas avoir à revenir sur nos pas, ce serait dommage. Et de tout se retaper, parce que j'ai quand même cherché tellement d'objets que je n'en peux plus, là. Alors, Brown, on lui demande de nous amener... Bah, il est déjà là, prêt à nous conduire vers l'endroit qui nous intéresse. Alors, le chemin est long, hein, maintenant. Soyez patients. Alors vous l'avez peut-être noté ou pas d'ailleurs, hein. Il m'arrive de faire des petites coupures lorsque je vois que je cherche pour rien des objets. Hein. J'ai fait une ou deux coupures aujourd'hui. Où il est parti le chien? Ah, il a tourné là-bas. Je suis passé au mauvais endroit. Il veut passer par là-bas lui, d'accord. Bah Brown, si tu le souhaites, je te suis. Il prend des raccourcis, je crois. On va marcher moins vite, on est obligé. Et passer à travers le chien pour s'amuser. Hop. Mélange de chair, c'est impressionnant. Et où peut bien mener cette porte, mes enfants? On n'est pas encore allé de ce côté-là. On a vu la cuisine de l'autre côté, mais de ce côté-ci, regardez où nous arrivons. Si ça peut vous rafraîchir la mémoire, c'est la porte devant laquelle Martha nettoyait, nous empêchant de passer la toute première fois où nous sommes venus dans ces lieux. Et oui, on a enfin pu traverser. Alors avant de continuer de suivre Brown, je fais un petit détour ici, dans le fumoir. Alors l'article de journal n'a toujours pas changé, mais ici, j'avais trouvé, regardez, un pain au lait. Je m'en empare. Hé, monstrueuse chèvre, veux-tu me laisser tranquille? Ah, il y en a deux. Juste, j'avais trouvé quoi ici? Rien, hein. Bon, on va pas chercher davantage. On va ressortir et aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, c'est drôle parce que les chèvres, vous les entendez, ont des cris qui sont faits par des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, je pense qu'on doit ici comprendre que les enfants avaient leur jeu et s'amusaient à imiter des chèvres et autres lutins, histoire de se faire peur entre eux. Mais là, Jennifer les a vraiment personnifiés en tant qu'animaux, hein, ou de véritables lutins, ce ne sont plus des enfants. Et vous voyez que j'évite de les combattre, ça ne servirait à rien, il en viendrait sans cesse. Oh là là. Alors je vais passer... je vais être obligé de passer par là. Ça va. Ouf, j'ai évité de me faire blesser. Il va là-bas. Vite. Oh non. Ah, j'agite ma manette. Saleté. Et vous avez vu, tout à l'heure, j'ai sauvegardé à l'endroit où j'ai commencé la partie aujourd'hui.
Et je ne suis pas Brown, je vous montre pourquoi. Ah ! Il y a la pleureuse. Maintenant, elle nous fait du mal. Elle nous empêche d'aller sauvegarder. N'insistez pas, hein, vous ne pourrez pas sauvegarder ici. Donc, vous allez devoir retourner ici. Oh, Jennifer, veux-tu rester dans la bonne direction ? Ce serait mieux, quand même. Et où Brown veut-il nous emmener ? Ah ben, dans une salle que nous n'avons jamais visitée. Alors, comme je suis curieux, je vais aller voir quand même la boîte aux lettres. Ben oui, car j'ai des choses à y faire. J'ai pas oublié que j'ai quand même ramassé tous ces... d'objets, hein ? Pour une bonne raison. Hé, Miss Meg, je ne l'ai pas vue. Et sale, ce gosse. Alors, on va regarder vite fait cette boîte aux lettres. Que nous dit l'affiche, vous vous en doutez. Cadeau du mois, Sœur Chevrette. Hein. Et moi, je vais faire des offrandes. Enfin, depuis le temps que je ramasse des objets. Alors, vous pouvez utiliser le chocolat, les sucettes aussi, hein, je crois, pour faire des offrandes. Et vous obtiendrez des cadeaux un peu plus avantageux, je crois, en nourriture. Pas forcément d'ailleurs, hein, à vérifier. Mais moi, ce sont les billes que je vais donner. Je vais en donner tout un lot. Il en faut 12, donc je vais faire 2 fois 12. Enfin, oui, c'est ça. Histoire d'avancer. Alors, ça prend du temps. Donc, je vais accélérer. Et non, au final, au lieu d'accélérer, je profite de ces séquences pour revenir sur vos commentaires. Car vous le voyez, on ne peut pas choisir le nombre d'objets à mettre dans la boîte aux lettres. Hein. On doit faire un par un. Alors c'est Matt Barge. Vous voyez le commentaire du bas ici. Matt nous dit qu'il a failli abandonner le jeu lors du combat face aux oiseaux gigantesques de la dernière fois tout en haut d'un escalier. Oui, j'avoue que j'ai moi aussi parfois eu envie d'abandonner hein, Rule of Rose dans ces moments un peu pénibles dus au gameplay dans les combats. Mais j'ai persisté et j'ai bien fait. Alors tu nous demandes aussi dans le commentaire du haut quelle est la symbolique de cette séquence qu'on a vue la dernière fois en fin de vidéo avec la caméra en vue de l'intérieur. Ça s'appelle une caméra subjective, c'est-à-dire qu'elle représente le regard d'un personnage ou le regard que pourrait avoir le spectateur. Eh bien, la réponse nous est donnée très clairement par mon ami No Bloody Nose. Salut à toi, très cher. Bah oui, tu as raison. Cette vue subjective, c'est quelque part un parallèle. D'abord, c'est vrai avec le transport dans cette sorte de cercueil vers le Zeppelin, mais c'est aussi, eh bien, une sorte de représentation de l'emprisonnement. Jennifer, ne l'oubliez pas, est arrivée dans un orphelinat après la mort de ses parents, c'est ce qu'on apprend au début du jeu. Et l'orphelinat, c'est un véritable emprisonnement avec ses règles, ses camarades qui sont des bourreaux en quelque sorte, ce monde dans lequel elle vit un véritable cauchemar, symbolisé ici par cette cage. Voilà, très bien vu, cher No Bloody Nose. Allez, accélération! Allez, dernière offrande pour nos 12 premières billes. Et nous avons un sablé. On va recommencer. J'en ai encore assez pour en faire une deuxième. Et profitons à nouveau de ces séquences interminables pour réagir à d'autres commentaires. Celui de Florian F, par exemple, qui se demande si le jeu est disponible sur autre chose, sur d'autres supports que la PS2. Pas du tout, hélas. C'était une exclusivité Sony. C'est Sony qui a produit le jeu. Regardez le générique dans la première vidéo, vous le verrez noté. Donc, bah oui, c'est pas sorti sur d'autres machines. Vous pouvez cependant, si vous avez la chance d'avoir encore le jeu sur son support d'origine, y jouer sur des émulateurs. Moi, je vous le présente sur l'émulateur PCSX2 qui a ce rendu si réussi hein, qui sublime je trouve le jeu, vous l'aurez noté vous aussi, car il faut savoir que les studios Sony souhaitaient avoir leur propre survival horror inspiré un peu de Silent Hill 2 et c'est en ce sens là que tu as raison frère TB, Silent Hill 2 a donné son grain au jeu, c'est une sacrée inspiration évidemment, mais aussi cet aspect de deux mondes parallèles ici ce sera plutôt le monde de l'orphelinat et du Zeppelin hein, qui seront les mondes parallèles, même si c'est vrai, le Zeppelin s'est transformé, vous l'avez vu, avec tous ses cordages depuis les premières fois où nous l'avons parcouru. Et voilà, un deuxième sablé, j'imagine. Oui. Ben, je vois que j'ai assez de billes pour continuer. Hein.
Voilà la dernière bille à offrir. On va s'en garder une. Alors c'est toujours bon de se garder un des objets parce que vous avez vu qu'ils conduisent à d'autres objets. Donc je préfère en garder toujours un au cas où parce qu'il pourrait me servir. Et on peut donner aussi dans ces offrandes nos pinces. Alors il faut, j'avais noté 8 pinces, je crois c'est ça, 8 pinces pour avoir un sablé, je vous le dis tout de suite. Bon, ce ne sera pas une surprise. Et c'est parti. Et bien voilà. Un sablé. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, où en sommes-nous? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On a 3 sucettes et tout le reste, vous le voyez, est inscrit. Je vais pouvoir m'en contenter si jamais j'en ai besoin, bien évidemment. Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir enfin avancer dans notre histoire. Voyons où Brown souhaitait nous conduire. On a vu qu'il allait vers une salle que nous n'avons jamais pu visiter. Bagage aristocrate. Horreur. Alors, je vais tenter au pic à glace parce que je trouve que ça a l'air de tuer un peu plus vite, même si ça a moins de portée que le tuyau. Alors attention. Ah ouais, ben c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je vais me débarrasser des objets que je demande à Brown de chercher. Où est-il? Il est là. Pour lui demander de m'aider. Et je crois que le tuyau va m'être beaucoup plus utile ici. Si, je veux le tuyau. Ah. Vous avez vu la portée qu'elles ont, elles? Ah ben, même avec ça, je n'y arrive pas. Ah, j'ai eu les deux d'un coup, là. Alors, Brown. Est-ce que j'ai moyen de lui dire d'attaquer? Vous avez vu, elles me mettent du temps à mourir, Ah, elle m'a blessé. Je suis pas encore mort, mais est-ce qu'il me reste de la santé quand même? Ouh. On va utiliser quoi? Des sablés. Allez. J'ai pas envie de mourir ici, moi. Ouf, j'ai évité ces coups à cette satanée chèvre. Celle qui a les ciseaux, elle peut nous faire très mal. Oh, elle ne sait pas viser cette saleté de Jennifer. Alors le troisième coup a beaucoup de portée, donc essayez d'en faire 3 à chaque fois. Est-ce qu'elle est morte celle-là? Oui, j'en ai eu une. Alors les ciseaux, c'est vraiment dur. Mais on devrait pouvoir la tuer. Mais finalement, j'aurais pas besoin de beaucoup d'objets de soins. Est-ce qu'elle est morte? Non. Elle se relève, avec ses ciseaux. Essayez d'être au maximum derrière elle, à chaque fois. Voilà. Ah, vous avez vu comment on vise bien? Je crois qu'on l'a eu, là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des choses à trouver ici?
to her. I can't get along with girls like her. It's into the onion bag for her. Évidemment, comme toujours dans ces circonstances, hein, les enfants, entre eux, sont capables du pire, vous l'avez constaté. Ah, dès qu'ils sont en nombre, chacun joue le jeu des autres. Hein, voilà. Alors, regardez, nous avons ici la malheureuse chevrette et la lettre. Une poupée de chèvre est à terre. Un morceau de papier se trouve en dessous. Même le véritable amour est déchiré par les conflits. Il s'agissait donc de la morale de notre histoire, donc je vous emmène directement vers celle-ci puisque vous connaissez l'histoire. Même le véritable amour est déchiré par les conflits. La fille, malchanceuse, se souvint de la promesse qu'elle avait faite à son amie. Elle l'écrivit donc sur le tableau pour qu'elle ne puisse jamais plus l'oublier. Everlasting true love, hein, amour, véritable amour éternel, on aurait pu le traduire comme ça. Et là, mes chers enfants, je vais enfin pouvoir sauvegarder ce chapitre pour nous retrouver la prochaine fois, après tant d'émotions, évidemment. Alors, vous l'avez vu, voilà, hein, si vous avez besoin d'objets, je vous ai montré vraiment pas mal d'endroits pour les trouver. Et essayez d'en bénéficier, ça vous sera utile. Écraser, voilà, je vais écraser ceci. Car le combat contre les chèvres, la première fois que je l'ai mené pendant mon entraînement, je n'ai pas pu terminer le chapitre. Je suis venu aussitôt enregistrer, me disant que bon, maintenant je savais comment il fallait faire, mais j'avais pas la certitude de ne pas avoir d'objets à utiliser, d'objets de soins, et j'ai été tué parce que j'ai été blessé au moins une dizaine de fois par les chèvres. J'avais le tort de me mettre souvent devant elles ou sur les côtés. Il vaut mieux se mettre derrière et essayer à chaque fois qu'on voit qu'elle commence à changer de position, de bouger. Après, la lenteur de Jennifer fait que vous aurez beau parfois faire un petit détour sur vous pour vous écarter, vous n'avez pas le temps de le faire parce que vous venez de vous relever ou de subir une blessure. Voilà. Bref, ce jeu, au niveau de la maniabilité, c'est une catastrophe. Hein, je vous l'ai déjà répété maintes fois. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour le troisième sous-chapitre, troisième et dernier sous-chapitre de cette histoire du prince en haillons. En attendant, je tiens à vous remercier encore pour vos nombreux messages. Vous étiez nombreux à vous réjouir du retour donc de ces vidéos après l'interruption due à
ce pirate, et je vois que quelques-uns parmi vous m'ont signalé avoir eux aussi été victimes de ce même pirate, avec la même vidéo mise en ligne et les mêmes logos et transformations faites sur leur chaîne YouTube. Ah non, mais c'est une horreur, hein. Il va falloir vraiment renforcer la sécurité. Voilà, moi j'ai réussi à le faire, hein. J'ai acheté la sécurité Google, histoire de compléter celle que j'avais déjà, qui est de base, parce que bah, je veux pas que ça se reproduise, hein, pour moi et pour vous, évidemment. Allez, je suis en train aussi de nettoyer un peu les publicités qui sont parfois en grand nombre sur certaines vidéos. Si ça vous arrive, dites-le moi. J'essaye de ne mettre que 2 ou 3 écrans selon la durée des vidéos à l'intérieur de celle-ci. S'il y en a beaucoup plus, c'est que bah, le nettoyage a été mal fait. Google nous m'avait promis qu'il n'y aurait que 1 à 2 publicités lorsque j'avais activé ça. Et bah, en fait, il y en a beaucoup plus, il y en a parfois 10. Bref, n'hésitez pas à me le signaler sur les vieilles vidéos, je viendrai faire un petit nettoyage. En attendant, merci aux tipeurs, grand merci à vous. Et à tous les autres, eh bien, vous pouvez aussi soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire par le biais de Tipeee. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. À très vite.